بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. dans cette vidéo vous allez voir la correction d'un contrôle en mécanique. Donc toutes les leçons que vous avez étudiées en troisième année collège concernant le mouvement, concernant la vitesse, concernant aussi les actions mécaniques, les forces et le poids et la masse et l'équilibre d'un corps solide sous l'action de deux forces. Alors, donc tout d'abord je vais commencer par l'énoncé de l'évaluation numéro 2. Donc ça c'est un petit, c'est un modèle d'un contrôle qui résume toutes les leçons que vous avez vues en mécanique. Je commence, il est bien sûr divisé en trois exercices. Je commence par le premier exercice. Tout d'abord, ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième exercice. Vous avez ici deux parties qui sont deux parties indépendantes. Voilà la suite de l'exercice 2, la partie 2. Alors, et le dernier exercice qui est constitué aussi de deux parties. Je commence la lecture, bien sûr, avant de voir la réponse ou bien la solution détaillée de ce contrôle. J'aimerais bien, bien sûr, de stopper ou bien d'arrêter la vidéo et de bien lire l'énoncé avant de voir la solution. Alors, le premier exercice, vous avez ici quatre questions. La première question, ils ont demandé de compléter les phrases suivantes par les mots convenables. Vous avez du mot à utiliser, le sens, à distance, intensité, en courant, direction, receveur, 2, statique, point d'action. Tout simplement, dans ces mots cités ici, il faut choisir le mot adéquat, tout simplement. Peut-être, vous pouvez trouver un mot qui se répète deux fois, ou bien un mot que vous n'avez pas l'utiliser dans l'exercice. Alors, voilà l'énoncé. Les effets, la première phrase, les effets d'une action mécanique d'un donneur acteur sur un peuvent être ou dynamiques. Alors, dans la première phrase, c'est ça la deuxième. Lorsqu'un objet est soumis à l'action 2, il faut choisir le mot qu'on voit, force, cet objet est en équilibre si les deux forces ont la même et des opposées. Troisièmement, une force est caractérisée par 100, ça, 100 et 100. Il faut choisir les mots adéquats. La quatrième phrase, les deux types d'action mécanique, action mécanique 2 et action mécanique, voilà. Deuxième question, répondre pas vrai ou faux. Un solide repos est en équilibre. Il faut dire est-ce que ça c'est vrai ou bien c'est faux. Deuxième phrase, la masse d'un corps dépend de l'altitude. Il faut dire est-ce que ça c'est vrai ou bien faux. Nous mesurons l'intensité du poids d'un corps à l'aide d'une balance. Est-ce que ça c'est vrai ou bien faux? L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et l'altitude. Est-ce que ça c'est vrai ou bien faux aussi? La dernière phrase, nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation P égale M fois G. Vérifiez est-ce que ça c'est juste ou bien non. Troisième question. Cochez par une croix les cas où l'objet est en équilibre. Vous avez ces quatre cas. Donc il faut choisir l'objet qui est en équilibre parmi ces quatre cas. Alors, question 4, cochez la bonne réponse, où les bons ont les bonnes réponses. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est. Il faut choisir la bonne ou bien les bonnes réponses. La relation entre la masse M d'un corps et son poids P, donc il faut choisir la relation convenable. L'unité internationale de l'intensité de force est, Donc il faut choisir la bonne réponse. Alors, ça c'est pour l'exercice numéro 1. Donc je passe à la solution maintenant. Avant de passer à l'exercice numéro 2. Alors, voilà la solution détaillée de l'exercice numéro 1. Commençons par la première question. Complétez les phrases par les mots convenables. Vous avez ici les effets d'une action mécanique d'un donneur acteur, c'est ce qu'on appelle l'acteur, sur un receveur. Donc c'est ça le mot convenable. Il faut écrire le receveur être statique ou dynamique. Vous avez étudié les effets d'une action mécanique d'un donneur, donc ce qu'on appelle l'acteur, c'est lui qui exerce une action mécanique sur H, un receveur, c'est lui qui reçoit cette action mécanique. D'accord? Donc ça, les effets sont deux effets, vous avez l'effet statique,
c'est-à-dire maintenir un objet en équilibre ou bien déformer un objet. Par contre, l'effet dynamique, c'est-à-dire mettre un objet en mouvement ou bien changer sa trajectoire ou bien sa vitesse. Voilà les deux effets d'une action mécanique. La deuxième phrase. Lorsqu'un objet est soumis à l'action de 2, voilà, donc de 2, vous avez cette année seulement deux forces. Cet objet est en équilibre. Ces forces sont en la même, bien sûr, direction, voilà les caractéristiques, et la même intensité et des sens opposés. Et après, troisième phrase, une force est caractérisée par son point d'application ou bien d'action, sa direction, son sens et son intensité. Quatrième phrase, les deux types d'actions mécaniques sont, vous avez une action mécanique ou bien les actions mécaniques de contact et les actions mécaniques à distance. Maintenant, vous pouvez écrire la solution de cette question de l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice, toujours à l'exercice 1, la question numéro 2. Répondre par vrai ou faux. Vous avez ici un solide au repos est en équilibre. Bien sûr, il est au repos, ça c'est vrai. Puisque un solide est au repos, c'est-à-dire ne se déplace pas, reste immobile par rapport à un référentiel, on dit qu'il est en équilibre. C'est juste. La phrase suivante. La masse d'un corps dépend de l'altitude. Dans ce cas-là, la masse, c'est une grandeur invariable, qui ne dépend pas de l'altitude et qui ne dépend pas du lieu. Donc ça, c'est faux. Donc si j'ai demandé, par exemple, de justifier, ou bien de corriger la phrase fausse, il faut mettre à la place de la masse l'intensité du poids. D'accord? Et dépend de l'altitude, ou bien l'intensité de la pesanteur. Ça, c'est juste. La phrase suivante. Nous mesurons l'intensité du poids d'un corps à... Bien sûr, à l'aide d'une balance. Non. Ça, c'est une intensité de poids. Donc, on mesure l'intensité de poids à l'aide de quoi? D'un dynamomètre. Donc, cette phrase est fausse. Okay, faux. Quatrième phrase. L'intensité de poids d'un corps change avec le lieu et l'altitude. Donc, ça, c'est vrai. Exactement. Parce que l'intensité de poids, il dépend du lieu et de l'altitude. D'accord? Quatrième phrase, nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation P est égale à M. Bien sûr, ça c'est la relation qui est entre P et l'intensité de la pesanteur, c'est juste. Voilà, comme d'habitude, prenez la correction de la deuxième question. Question numéro 3, toujours de l'exercice 1. Vous avez demandé de cocher par une croix les cas où l'objet est en équilibre. Vous avez ici le troisième cas où l'objet est en équilibre, c'est lui. C'est le seul cas qui est en équilibre. Pourquoi? Parce que l'objet 3 est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2. Et ces deux forces, bien sûr, ont, bien sûr, la même direction, la même droite d'état, deux sens opposés. C'est-à-dire F1 est égal à moins F2, la même intensité, F1 est égal à F2, entre parenthèses, la même longueur. Voilà le schéma convenable. C'est le schéma du document ou bien de l'objet 3. Donc vous voyez ici les deux forces ont la même intensité, la même longueur, la même direction d'état, de sens opposé. On dit que l'objet 3 elle est en équilibre. Donc c'est le seul objet. Ils ont demandé de justifier bien sûr pourquoi tu as choisi l'objet 3. Voilà. Question 4 maintenant. Ils ont demandé de cocher la bonne réponse. Vous avez ici lorsque, la première phrase, lorsque la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est mouvement accéléré. Ça, c'est juste. Donc ici, c'est le mot convenable ou bien la phrase convenable. Donc ici, la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est bien sûr mouvement accéléré. La deuxième phrase, la relation entre la masse m d'un corps et son poids. Donc si ça, P est égal à m fois g, il y a aussi g est égal à 2p sur m. D'après cette relation, vous avez ici G, c'est P sur M. Vous avez deux propositions correctes pour la deuxième phrase. La troisième phrase. L'unité internationale de l'intensité d'une force est Newton. Vous avez ici 1 sur Newton moins 1. Ça, c'est une autre unité parce que 1 Newton est égal à 1 sur N, c'est-à-dire 1 sur N nu moins 1. Donc, voilà deux propositions correctes. Donc j'arrête ici, messieurs les élèves, à la prochaine vidéo, inshallah. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, mettre un message qui m'a aidé. متتبعين ديالي الاشتراك في القناة فقط تشجيع لنا وتفعيل جرس والإعجاب بالفيديو تشجيع لنا وكذلك
بارطاجيو مع الواجهتكم بخير هذا الفيديو بيناتكم اللي كي تعم الفائدة وشكرا.